Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est parti pour la suite de Food Truck. Et donc du coup aujourd'hui on va au quai. On va au quai, n'est-ce pas, au quai, au quai. Je ne sais plus ce qu'on va faire d'ailleurs au quai. Enfin on va faire à bouffer évidemment, hein, c'est le but du jeu. Mais je ne sais plus ce qu'on sert au quai. Donc on va pas tarder de le savoir. Effectivement. Alors mon petit, c'est le noir. Enfin, en l'occurrence pas trop, mais hop. Qu'est-ce qu'on y sert? Ok, je me rappelle plus. Ah, il m'arrache les oreilles, le con. Dégare, comme un sac. Un vrai sac. Allez, on est prêt. On va tenter du miam miam. Et Wycom, si tu veux. Allez, allez, passez commande, bande de bâtards. Dépêchez-vous. Ça part. Une pâte pizza. Oh, c'est pas vrai que ça commence comme ça. C'est que je les ai mis, les cons. Là. Et ça commence déjà. Avec les pâtes pizza. La croustillante même. Allez, couillante de vinasse. Yes. Ferme pas ça, va, malheureux. T'as mis sa gueule de tous les bouts, ils sont timbrés, oui. Alors, Mozart. Est-ce que j'ai du Mozart? J'ai du Mozart. Pepperoni. La pepperoni, j'ai du pepperoni, j'ai du pepperoni. De jambon. J'ai du jambon. Et du bacon. Et j'ai du bacon. Et j'en ai plus. C'est très bien ça, j'en ai plus. C'est rigolo ça. Il me les a pas mis au même endroit. Probablement. Hop. Et de une. Alors, croustillante. Hein. La pète pizza, cuit. Et la cuit. Hop. La petite chapelure. Les biscuits de la mémé, c'est de la chapelure à l'arrivée. Hop. Mozart. J'aurais passé de Mozart. Un Mozart. Yes, zéro. Un Mozart. Deux Mozart. Trois Mozart. Et j'aurais passé de Mozart. Trois Mozart et un faux 4. Ok, vas-y, sors le carton pour la première. Elle est cuite et il faut de la croustillante, cette vinasse. Elle est gouliante cette vinasse. C'est cuit. Hop. Et c'est bon. Et il faut la cuite et là il faut la croustillante. Hop. La première elle part. Hop. La seconde on la met au four. Crématoire. How much do I owe ya? Si tu veux. Si tu le dis. Ça me va aussi. On va s'arrêter de gueuler les couillons là. Vous allez vous calmer, oui. Hop. Une nouvelle commande. Une pâte à pizza. Cuit. Bien cuit. Bien cuit. C'est où le rouleau? Faut que j'aille voir ma pizza. À mon avis, elle doit être cuite. Les pizzas sont cuites. Hop. C'est cuit. C'est cuit. Impeccable. Hop, hop. La 2, ça part. Alors, la 3. Donc, la sauce à pizza. On fait que des pizzas ici? Vous êtes chiant avec vos pizzas? Vous pouvez pas manger autre chose? Une Mozart. Une Mozart, j'ai dit. Et du jambon. Impeccable. Il faut cuite. La deuxième. Une croustillante. Allez, on ne faiblit pas. Tu veux de la sauce à pizza? Oui. Une Mozart. Une pepperoni. Et un piment. Impeccable. C'est cuit ça? Tu veux cuit, hein? La première, ouais, tu veux cuit. Alors, viens voir ici. Hop. Hop, hop.
La 2, la 3 pardon. Hop, on reprend. Croustillante cette vinasse. Ça va partir. Alors une cuite. Hop, la sauce. C'est bien les musiques de gas station, hein. Ouais, après c'est les mêmes devs, hein, évidemment. Ils ont raison. Mozart, jambon. C'est pas la même, ça? Mozart, jambon. Ah si, c'est la même. Ok. Alors, Mozart. Jambon. Et oignon. C'était presque la même, j'ai rien dit, excusez-moi. Et là, il a voulu croustillante. La deuxième, pâte à pizza cuite. Hop, on va la rouler sous les aisselles, impeccablement bien. Je vais aller récupérer l'autre. Hop. Hop. La 3, elle part. Très bien, la quatrième. Donc du coup, sauce à pizza. C'est où? Je suis perdu. Just as I wanted. Alors, une Mozart. Un champax. J'ai du champax. Elle est prête. C'est cuit. Hop. La deuxième juste cuite aussi. Donc la 4. La 4 arpinard. Allez, repas ta pizza cuit. J'ai bientôt plus de pâte pizza. Je sors ça, je prends ma cuillère. Hop. Je touillasse. Allez, juste un glue. Une Mozart. Un jambon. J'ai plus de jambon. Et c'est cuit. Et l'autre, c'était cuit aussi. Hein. Oui, c'était cuit. Dépêche-toi. Hop, on enfourne. On enfourne Juju. Ça roule. Alors, après, une croustillante. Ah, je sais pas si c'est great, mais j'arrête pas. Hein. Hop. On va mettre ça. Après, on va voir si c'est cuit. C'est cuit. Tu veux du Mozart? Je crois que j'en ai plus. J'ai du Mozart, si. J'étais en train de regarder au-dessus. Pepperoni. La pepperoni et ça. Ok, croustillant cette vinasse. La prochaine, une croustillante. Avance toi. C'était cuite ou croustillante qu'il fallait? C'était croustillante, hein, me semble-t-il. Pour la celle d'avant, pas celle-là. Hein. Elle est croustillante. Elle est à peine cuite. Ok, tu veux de la Mozart? J'en ai plus. Hein. Tu veux la pepperoni? Tu veux du jambon? J'en ai plus. Malheureusement, j'en ai plus. On doit fermer, j'en ai plus. T'as vu ça? Croustillant, cette vinasse. C'est la 5. Ah pardon, excusez-moi, j'avais oublié. Excusez-moi. Que tu voulais le carton avec, j'avais zappé. Alors, du jambon. Et un petit bacon cru. Je sais pas si je suis amazing ou pas, mais je fais comme je peux, hein, mémé. Hop. On range le jambon. Et puis j'ai une nouvelle commande. Attends, je range mon jambon, Jean-Michel. Hop, je baigne celle-là. C'était la croustillante qu'il fallait après. Alors, la croustillante. Une pâte pizza. Oui.
J'aime bientôt plus de ça. Hein. La sauce tomate là. La sauce caillou. Mozart. J'ai plus de Mozart, Jean-Michel. C'est les. Hein. Je coupe et je regarde l'autre. Hein, où j'en suis parce que. Ça va être bon. Alors, Mozart. Après, oignon. Mozart, oignon. Tomate. Champi, piment. Champi. Et piment. Très bien. C'est croustillant. Putain, j'étais juste. Hein. J'étais juste. Ça, c'était la 6. Ça roule. La 7. Bon, la 7, j'ai fini. Donc, je vais jeter ma Mozart là-dedans. Nice. Ouais, je sais pas si c'est nice, mais. Écoute, on fait comme on peut. Hein. Y en a un autre quand on veut ou y a plus que toi, Jean-Michel? C'est cru en plus. J'ai plus guère de jus là-dedans. 10%, c'est la merde. Hein. Bon, en attendant, c'est tranquille. Le plus gros effet, on est déjà à 1556 dollars. C'est bien. Hein. Allez, la croustillante là, Vinas. Hop, 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 on arrête le four. Voilà. Et ça, c'est pour toi, mon Jean-Louis. Impeccable. Allez. En espérant qu'il y en a un qui revienne. J'ai envie d'en refaire une petite, moi. Awesome. Impeccable. Et donc, du coup, ici, on gratoune. Avec la brosse à chiottes. Et voilà. C'est bon pour tout le monde, on s'en va. Allez, on prend son manteau, on s'en va. Impeccable. On va faire retourner au garage, comme d'habitude. On la connaît, celle-là. Now, just like Joe said, time for the shipyard spot. Comment aller récupérer tous les produits nécessaires à la vente. Time for some new supplies. Ah merde, bah faut remonter au garage pour ça. Hein. Pas le choix. Attendez, parce que... On est où? On est là, je prends à droite. Ok. Ah, c'est vrai, il y a toujours ça. Toujours ce problème. Parce que je crois qu'on peut pas commander sur place en plus chez Clara. Hein. Chez Clara Morgan. Malheureusement, serre-toi, toi, si tu veux pas passer sous les roues de l'auto. On va aller voir Maître Tiong. C'est là le moment où on va voir Maître Tiong. Ah, c'est laid, ça. Ce qui vient de m'arriver. Faut que je remette 20 litres de gasoil dans le bordel, encore. Parce que là, je vais plus avoir de gasoil, là. Yes. Putain. Je conduis comme un bourrin, aujourd'hui, c'est de votre faute. Allez, go. Là, j'ai Richan. Est-ce que c'est plus cher ici? Je ne sais pas. Hein. Bah, tu sais, tu peux y aller, hein, tu sais, c'est pas même qui vont l'emplir. Hein. Il y a la moitié, quoi. On va pas trop en mettre. Faut jamais faire le plein. Allez, pause. Voilà. Bon, on va commander tout le bordel, là. Hop. Alors, boutique. Qu'est-ce que tu me veux? Du bacon cru. Il en faut deux bacons. Il faut 12 frites crues. Ah, on va faire de la frite. Ça, c'est très bien, ça. On va faire de la bouteille d'huile. Et la pâte à pizza, il en faut 6. Putain, ils sont chiants avec ça. T'es gentil avec ta pâte à pizza. Allez, c'est parti, mon Jean-Louis. Arrête de me remettre cette radio à chaque fois. T'es gentil avec ta radio, mais... J'ai que la moitié du plein, mais à la limite, il y a la pompe qui est pas si loin. Là. Ah, serre-toi, tu saoules, il fout le camp.
Vous êtes chiant au bout d'un moment, hein. Vous voyez bien que je produis pas une deux chevaux, non? Ta gueule. Putain, on se fait klaxonner de tous les côtés. Qu'est-ce que c'est ça encore? C'est quoi de cette ville? Ah, mais on va encore en bord de mer, là? Terrible. C'est terrible. Allez, je coupe au coup. Schumacher. Schumacher à 50 km/h. Qui a dit qu'à 50, on pouvait pas faire n'importe quoi? Quel est le con qui a dit ça, même? Allez, fonce. Salut, Jean-Michel. Alors, tri. Et là, on va regarder. Donc, le bacon au congèle. Ça, je voudrais bien le déplacer là. Voilà. Ça, on s'en fout. Le jambon, moi, j'aurais plus tendance à le mettre là. Mais bon, écoute. It's not a problem, Jean-Michel. Bon, ça roule. Où est-ce qu'on va? 400 mètres. Ah, pardon, faut ouvrir la map. J'ai même pas vu. Si, ça doit être là, je crois. Mais... faut que j'arrête mes enneries. Allez, roulez, jeunesse. On va en bord de mer. Oh, le bord... c'est le bord de mer. Et je crois qu'on passe par le parking. Voilà, c'est ça. On passe par le parking pour aller là-bas et rejoindre notre destination. Ah, moi je me servais de frette. De frette, de frette, de frette. Par contre, il n'y a plus de route. Hein. Elle est où la route là? Elle a pas chargé la route. Oui, bon, ça me va. Hein. Allez. C'est pour les gens qui travaillent, ça, et du... impeccable. Il y a des gens qui montent des plots ici. Parce que je connais un Belge qui monte des plots. Vous pourrez pas m'indiquer s'il est là ou pas, non? Putain, mais ils hurlent. Oh là là, et oh, oh, on va se calmer là. Ah, on voit bien que c'est des gens du bâtiment. Hein. Les voiles. C'est pas plutôt l'environnement. Ah, oh, j'ose pas trop baisser, ça m'agace. Allez, on va mettre comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ça prend feu là. Oui, mon cendrillon prend feu. Ça y est, c'est la mort. Il hurle encore plus fort, oui. Allez, vas-y, passez commande, là, dépêchez-vous, c'est qui vous le pistez, les Christians. On ne s'entend plus bouffer, bordel de merde. Commande. Oh putain, c'est pas vrai, les pâtes à pizza, les pâtes à pizza, toujours les pâtes à pizza. Mais vous me faites chier, vos pizzas, là. Ça commence à faire. Alors, Mozart. Jambon. Et c'est tout. Alors. Fermez vos gueules. On s'entend plus. Ta pizza encore. Ah ben quoi. Alors, sauce à pizza, j'en ai plus. J'ai plus de carburant, j'ai plus rien. C'est la Moria.
Mozart. Et pepperoni, j'en ai plus. Allez, faut que je tranche le saucisson là. Une pepperoni, ça part. Yes. Remets ça où tu l'as pris. Ok. Le tonka. Hop. L'autre après. Une frite croustillante. Youpi. Ça change, hein. Avec plein de Mozart. J'ai combien de Mozart? J'ai deux Mozart, il me faut des Mozart. Ah, je peux pas faire des Mozart parce qu'il y a toujours quelque chose. C'est cuit ça? Non, c'est pas cuit. C'est bon, on a le temps. On a le temps de trancher des Mozart. Allez, dégage! Les frites. Les patates sont cuites. Allez, relève les frites. Trois Mozart. Tais-toi. Un Mozart, j'ai mis. Deux Mozart, trois Mozart. Ça part. Allez hop, vous avancez pas assez vite, donnez-moi-en là. Des commandes, toujours des commandes. Allez, une commande, just as I wanted. Machine à commande, machine à commande. Ah, j'en ai deux à la suite, là. Je suis pas une machine à commande, j'ai rien dit, excusez-moi. Alors, Mozart Pepperoni. Très bien, Mozart... Pepperoni. Et tu veux cuite. C'est pas. C'est parti. Une frite croustillante. Avec ceci. Et deux fois du ketchup. Très bien. Mais ici j'ai dit que. C'est pas la même commande, hein. Non, c'est pas la même commande. Il y en a qui renifle fort dans le lot. Dégueulasse. Je vois pas ce qu'il y a de drôle. Hein. Allez, les frites croustillantes. Nice. Nice. Hey, nice, nice, nice. Encore des frites là? Des frites croustillantes un peu? J'y travaille. Arrêtez de rigoler comme des oies. Ils sont timbrés. Hein. Mais. Putain, mais. Là. Tu as acheté ta chasse double ketchup. La 5. La 5, elle part. Allez, la 6. Mon frite croustillante et puis trois tranches de Mozart, j'en ai. D'ailleurs, faudrait peut-être que je bouffe ceux-là avant les autres. Tain. Une frite croustillante encore. Oh là 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 là. Avec une dose de ketchup. Très bien. Ah, on fait des frites quand même, merde. Hein. À un moment donné. Allez, dépêche. C'est quoi des frites croustillantes après encore? Donc, je vais prendre les deux Mozart là. Un Mozart. Deux Mozart. Trois Mozart. Ça, c'est pour toi. La suite. Allez, encore. Encore, encore. Allez, allez, on y va, on y va, on y va. J'ai besoin de pognon. Je veux du pognon, du pognon, du pognon. Oh, double frite.
très bien. Frites mayo et frites croustillantes. Alors, ça... attends, bouge pas. Du coup, c'était une dose de ketchup. Vous avez arrêté de rigoler comme des andouilles. Bon, là, il faut deux cornets. Awesome. Alors, la frite croustillante et la frite mayo. C'était frite mayo. Et après, il y a la frite croustillante. C'est la 8. La 9, qu'est-ce qu'il faut? Des frites croustillantes. Des frites croustillantes, en veux-tu, en voilà, ben, Dieu. Hop. Écoute, ça cuit chaud à fond. Je ne peux pas faire plus vite. Ça tartine. La 8. Allez, t'as 4 secondes pour me reposer une commande, là, dépêche. Dans les plus à une foule, mais ça veut dire qu'il y a quand même des gens. Moi, je veux les gens. Où sont les gens? Les pommes de terre et les carottes. Ah, yeah, baby. Ah, puis c'est une pizza, évidemment, je m'en doutais. J'étais en train de me dire, vas-y, quand les pizzas, quand? Évidemment. C'est croustillant, ça? Ça va arriver. On va attendre une seconde. Hop. La 9. Impeccable. Du coup, c'était la sauce à pizza. Une mozzarella et une tranche de pepperoni. Et c'est bon. Pour le moment. Bon, on va commencer à ramasser quand même, hein, malgré tout. Hop. Ça, c'est bien cette histoire de plateau. Mais sur le plateau, puis après, t'as trop de bordel sur le plateau ou t'arrives en fin de service. Tchouk, au revoir, merci, bonne journée. Et c'est terminé, Roger. Ça me va très bien comme ça. Ok, ça roule. Bon. Ok. Je vais quand même passer le coup d'éponge avant d'enlever l'huile parce que tu le sens l'oignon là. Bon. Ça roule. J'espère. Allez, vu l'usager. Et c'est bon. Tu prends ton manteau, ça va. Par contre, ils hurlaient. C'est fatigant à force. Les entendre faire. Wah 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 wah. Tout le temps. Ils aboient toute la journée. Allez hop. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, ma poule? Hi Clara. Hey kid, good news. A new device is available in the shop, and I have a feeling that you might need it. What is it? A rice cooker. Install oh, it in your food truck and get some rest. All right, Clara. All right. Mysterious of you. It's either that or we both stay up till dawn. Sleep well, kid. Je vais pas faire que de sleep. J'aime bien le sleep, mais ça c'est du jus, mais. Arbeit, enlève ton sleep. Allez, ça roule. Installer un nouvel appareil, cuiseur de riz. Youpi, le nam. Ensemble, il manque un nom de nam. C'est des sushis. Comptoir, four, cuiseur de riz. Je l'avais presque oublié. Ah, faut améliorer les étagères niveau 2. Étagère, niveau 2. Et tu vas me coûter cher, hein. Ça roule, maintenant on va dormir. Faites une pause. Oh, toujours les pauses, toujours dormir.
Dormir, c'est pas pour moi. On va aller voir Maître Tiong. Voilà. Rencontre avec le maître. C'est Maître Tiong. Looks like you've spread your name around town, don't you? Hi, Clara. Thanks. Took a lot of hard work. I think it might be the right time to diversify your kitchen. What do you think? Why not? On va au kitchen. The world belongs to the brave. Perfect. I think there is one person that can help. A legendary chef who retired from a big name business. He runs a store in the Asian district now. Sounds interesting. You'll need to speak with him personally. He is known as Mr. Hurricane. Almost nobody calls him by his real name anymore. Hurricane? Sounds like he's some sort of superhero. Honestly, kid, he's nothing short of that in the kitchen. It's well earned. Fair enough. His shop is located close to the beach. Actually, it's the third street. C'est toi la beach. Got it. He always stays behind the window on the ground floor. Just be yourself, and I'm sure it'll go. Avis-toi bien aller, Jacqueline, t'inquiète pas. Keep it. My fingers crossed. Allez, quartier asiatique, mais je sais pas où c'est. T'as dit parce que. Ah ben c'est là. Allez, ça part. On va voir Maître Tiong. Puis après on va s'arrêter là quand même. Parce que je voulais savoir si le fait d'avoir refait le jeu depuis le début, d'ailleurs on a un peu speedrun hein, parce qu'on n'a pas mis tant de temps que ça. Hein. Enfin un peu speedrun, voilà, de toute façon tu peux pas speedrun ce genre de jeu là, mais ce que je veux dire par là c'est qu'on a tracé comparé à la première fois. Hein. On a tracé. Je sens que j'ai bientôt plus de gasoil, mon corps bateau en panne. Je joue un peu avec le feu, mais bon, j'essaie d'économiser un maximum d'argent. Et oui. Mais bon, je sais pas si on ira jusqu'à l'économie d'argent, si toutefois. On ne peut pas. Oula, tiens bon. On ne peut pas couper les sushis. Hein. Oh, ça va, je l'ai pas touché. Arrête. 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 Okay. I'm about to meet a real kitchen star. I need to be calm. Putain, elle est là-bas, bien entendu. Heureusement qu'on peut passer là, serre-toi. Tiens, mais tu gênes, non? Maître Hurricane. On va peut-être éviter, hein. On va peut-être plutôt faire le tour parce que passer dans des trucs comme ça, moi. Hein. J'ai peur qu'on kidnappe. Bonjour, Maître Tiong. Vous voulez des noms? C'est ça qui va faire le con avec ses poissons. Hello, young man. I was expecting you'd show up at my doorstep sooner or later. Oh, hello. How did you know? Once someone has mounted a tiger, it will not come off it anymore. I knew you would not stop after all the recent successes. I'm just trying to do my best. That's what one should always do in life. So, now you've come to me so I could teach you? Yes. I want to learn. It has been a long time since I have. Il est en train de trancher toute la mer, hein. Ça a pas changé. Years ago, but I could make an exception. Really? Why? I met someone here as passionate about the kitchen as I was. If not for him, I would likely not run this store and waste away in my home, and you have his face. Wait, my face? You don't mean your father. Connor was a good friend of mine. And a very good chef as well. He might no longer be with us, but here you stand. Yep. And I can see you're just as enthusiastic about cooking as he was. Arrête, tu vas faire un tort, hein, Dieu. What a small world. I mean, thank you, Sensei. Sensei, you really are just like your father. Now, you'll need to buy all necessary products so we can start cooking. Let's start our cooperation. All of these products are. Alors, bouteille de gaz. For our lessons. Boîte de riz.
Nori. Ah oui, c'est vrai. Ah si, c'est chiant, le nori basique. Le nori épicé. Le tuna. Du saumon. Ah oui, les avocats, c'est vrai. Ah, ils croquent sous la danseuse, là. Lozinco. Ah oui, la canne à sucre. J'ai oublié la canne à sucre. Lozinco. Le campio. Le campio, c'est 8. 7, 8. Non, moi, j'ai tout. Le sourimi. On doit le sourimi. 6, c'est 8. Putain, il y en a pour cher. Les tubes de wasabi. La sauce soja. Allez, bruh. Quelle horreur. Now drive to the Chinatown selling spot. We'll speak when you arrive. And keep my eye on you as you work. Yes, sensei. Allez. On va jusqu'à Chinatown. Ben, on est là. Et ben, du coup, on arrête là pour aujourd'hui, messieurs, dames. Et on verra ça la prochaine fois que je vais tourner tout de suite. En espérant que ça fonctionne. Et puis voilà. Puis voilà. Du coup. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée ou une bonne soirée si vous êtes arrivé dans la soirée. Je vous dis à la prochaine. Bisous. Ciao.